Assalamu alaikum. Nous avons l'adresse IP, les parties réseau et les parties machine et la configuration de l'adresse IP. Aujourd'hui, notre science basée sur le masque sous réseau, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Donc on va commencer par le masque sous réseau. Le masque sous réseau. Le masque sous réseau se compose aussi de 32 bits, mais dans la partie réseau, c'est ce port 10-1 et dans la partie machine 10-1 continu. Le masque sous réseau peut avoir 32 bits, mais la partie réseau est confiée à une unité de langage binaire. Chaque bit, c'est 1. Ou dans la partie machine, des 10-0. Donc dans la partie réseau, l'ouahdat, et dans la partie machine, 10-0. Exemple, on a la classe A, la classe A, la classe B, la classe C. La classe A, la classe B et la classe C. On a chaque adresse IP fait 8 bits. 8 bits. 8 bits. 8 bits. Donc voilà, la classe A, on a la première partie, et il y a la partie réseau, et ici c'est la partie machine. On dit partie réseau, partie machine. Donc pour déterminer le masque par défaut de la classe A, on a la partie réseau qui est le wahdat, ou la partie machine qui est le 0. Donc il y a des salaires, 8 wahdat, il y a en langage décimal, il y a 8,55. Donc 8 wahdat, chaque bit qui est de 8 wahdat, elle est binaire. Donc là, c'est 255 décimal. Donc 8 qui est de 8 wahdat, la partie réseau. On a qu'un début de 0. Donc, elle est de manière séparate. Le binaire, il y a 0 décimal. Donc, 0, à obtenir. De manière de 0, c'est 0. De manière de 0, c'est 0 en langage décimal. Qui fait que vous voulez chercher avec les mathématiques appliquées. Donc, pour la classe B, on a deux objets, c'est la partie réseau, la partie machine. Elle est partie à la chute de l'adressage. Donc là, il y a de la wahdat là, voilà, 10-0. Donc la partie réseau qui a dit le wahdat, les bits qui a mis, ou là, la partie machine qui a dit le 0, là, il y a chaque bit 0. Donc là, tu m'as dit 0, les 1, tu m'as dit le wahdat, il y a 8,55. Et là, tu m'as dit le wahdat, il y a 255. Un atmané de 0, c'est 0 et 0. Donc là, c'est le masque. Là, on a le masque sous réseau. Pour la classe C, la partie réseau, il y a 3 octets. Pour la partie machine, la dernière octet. Donc, atmané de 1, atmané, il y a 255, voilà la dernière octet, il y a de manière de 0, le binaire, il y a 0 en décimal.
0. Voilà le masque par défaut de la classe A. Les lois 0, 0, 0. On masque par défaut de la classe B, 255, 255, 0, 0. Par contre, la classe C, le masque par défaut C, 255, 255, 255, 0. Donc, le masque par défaut, c'est dans la partie réseau qu'elle dit le Wahda Limit Kambi, 10 1, et dans la partie machine, 10 0. Aucun ordre, bien sûr, décimal. Mais alors, le système est quand même le BDL. On va voir l'utilisation de l'adonomasque. Faire la vidéo, là, des chevaux qui fâchent et extraire l'adonomasque. Ok? Donc, tu vas la vidéo à la fin, là, des tas, l'ordre de masque sous mesure. Donc, là, des chevaux, un chien l'adresse, adresse réseau. Adresse réseau. Qu'on a donné à l'adresse IP, c'est l'adresse de l'ordinateur. Alors, je vous l'adresse réseau. L'adresse réseau se compose de 32 bits. Mais pour déterminer l'adresse réseau d'un ordinateur, elle se fait de garder la partie réseau comme il est et de la partie machine déchirée. Et la manière de l'adresse réseau d'un ordinateur, qu'elle crée la partie réseau, ma calculatrice R, ouvre la partie machine, qu'elle dit au 7. Donc, c'est 32 bits. Exemple. Adresse IP. Et adresse réseau. Donc, quelques exemples. Un ordinateur, par exemple, l'adresse IP 192.168.210. Donc, ici, l'adresse réseau, on a dit, pour déterminer l'adresse réseau, on va regarder la partie réseau combinée dans la partie machine 10.0. Donc ça c'est la classe C. Donc voilà la classe C, voilà la partie réseau et la partie machine. Donc l'adresse réseau de cet ordinateur c'est 192.168.1.200.0. Donc on va garder la partie réseau combiné dans la partie machine 0. Deuxième exemple, 100, 240, 20. Quelle classe? C'est la classe A. Pourquoi? Parce que le premier thème ressort bien wahdou, il y a Sbaajri. Donc voilà la partie réseau et la partie machine. Donc l'adresse réseau de cet ordinateur, donc il y a PC1 par exemple, PC2, IP 600. 0, 0, 0. Troisième exemple. 100, 180, 80, 10, 40, 60. C'est la classe B. Donc la classe B, voilà la classe B, la partie réseau et la partie machine. Donc 100, 80, 10, 0, 0. Donc la définition, on va garder la partie réseau comme il est et dans la partie machine des 10. Donc on va garder la partie réseau comme il est et dans la partie machine 10. Milliard, on se met Achara, mais la partie machine des 10. Du 100, 0, 0, 30. Donc c'est la classe. La classe C, donc la classe C est là, la partie réseau et la partie machine, donc l'adresse réseau C 200.0.0.0. Donc on a regardé la partie réseau combinée ou la partie machine C 0. La dernière exemple, par exemple 10, 30, 210, 200,
40. Si la classe toujours haut, il a pris la avant la classe qu'elle chevaux directement le premier octet. Donc là c'est la classe 1 pourquoi? Parce que le premier octet a reçu le bien. Donc la partie réseau et la partie machine, automatiquement l'adresse réseau 610000. Donc voilà l'adresse réseau. Allez, je trouve d'abord l'utilisation de l'adresse réseau, avec le masque. Ou alors, j'ai l'adresse de multidiffusion. Donc, l'utilisation, l'adresse réseau et le masque sur réseau. Supposons, on a le réseau suivant. On a Internet, réseau mondial Internet. On a un routeur, modèle routeur. Ici, on a des réseaux, un switch, la topologie en étoile, switch, et on a des PC, PC1, on a des ordinateurs ici, PC1, PC2, et PC3. La même chose ici, on a aussi PC, PC et PC. Les adresses, par exemple, ici sont 192, 168, 1, 10. Le masque, bien sûr, chaque ordinateur, c'est pour le masque, mais plus l'adresse IP. Ici, 192, 168, 1, 20. Ici, c'est 192, 168, 1, 30. C'est la classe 7. Bon, le réseau, deuxième réseau, par exemple, on a 10, 20, 30, 1. 10, 20, 30, 2. 10, 20, 30, 3. Donc, supposons un message. J'ai un message de l'extérieur. Par exemple, Facebook, j'ai l'extérieur. Supposons un directeur de la PC2. Qui pêche et aussi le cadre de message. Le chemin, est-ce que je vais aussi le cadre de le message. Donc un message, au moins, tu es qu'on fait au moins un message, tu es qu'on fait IP, les données, et IP. L'IP, l'adresse des limiteurs, ODR, les suiteurs, plus data, les données. Donc l'IPS du message au niveau des routeurs, supposons. Mon développeur aussi le message là, fil à l'écoche. Wesh, il dit ça a du sens, ou là, pas du sens. Ça donne réseau 1, réseau 1, ou réseau 2. Il dit que le message, on écoute mon développeur, fini. Wesh, réussi. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Au niveau du développeur, qu'il y a l'IP, le destinataire, radio PC2, terre, l'adresse d'elle, le destinataire, ou ma masque qui est le pédagogue qui est illogique. Illogique, la segmentation, pour créer les sous-réseaux. Donc, on voit que ça, le boutonnage qui est liquide, il y a l'émetteur, il y a le destinataire, les rois, il y a le missionnaire, ils sont vraiment gérés, il y a ici, qui est l'adresse d'elle, le distillateur, les rois 192 168 20. Elle est le distillateur et il donne le message, le routeur. Où t'es le masque sur les eaux, il y a 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6
Had multiplication, had multiplication, c'est ma logique. Bien sûr, les machines, les ordinateurs, les équipements réseau, ma qui a bouché le 182. Là, quand je dis 182, ma qui a créé en langage binaire. Mais à ce moment, il y a deux XC, qui a pour voir tout ça, pour voir tout ça. Pardon. Donc, on voit un numéro XN qui est en langage binaire. Qui est un numéro XN en langage binaire. Donc l'adresse du destinataire, le destinataire par le WASC, qui est le langage binaire, donc l'équivalent de l'UXN, le langage binaire, il y a dit, New York University, 128 bits. Donc c'est quoi 8 bits. Donc le WASC, la même chose, le langage binaire. Donc le système est démarré illogique. Et logique multiplication entre l'IP de le distillateur par le masque, ce qui est au niveau de le modèle routeur. J'ai appris les données, ou je suis en le sens ou même le sens. Donc, illogique, 0 fois 0, donc 10 0, de manière séparate, 1 fois 1, 1, 0 fois 1, 0. Après 0 fois 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 fois 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire 0, 5, 6, et 1 fois 1, 1, 1 fois 1, c'est 1. Donc, quelle est la natija ? Léa, milieu de UXC, il a fait une arme de l'Ada, elle a bien le nom de l'Odyssée, la première de UXC. 168 هذا يحول 0001 au langage décimal de 1 ou 0 c'est 0. Donc, il y a une natige. Il y a un résultat. Je vais vous donner le résultat de ce groupe. Il y a un groupe, je vais vous donner. C'est la classe C. Donc, puisque la classe C, on a dit. La partie réseau, la partie machine. Donc, la terminale, la deuxième partie réseau, la première partie machine. Donc, il a bien le cas où l'adresse réseau vient. Il faut garder la partie réseau comme il est et la partie machine serve. Donc, il y a la partie réseau. Il y a bien une série, milieu de menu Steam, ou un head, agenda, serve. Donc, puisque le natija, leader, routeur, l'opération illogique bin, l'adresse de le destinataire au masque, qui s'est ouvert l'adresse réseau, donc le destinataire à Kaine là, à brancher là. Donc il y a de l'histoire qui se trouve là. Où il est illogique, bin, l'IP de le destinataire au masque, bien sûr, je vais vous adresser le destinataire. Adresse la classe A. Donc, il y a deux réseaux, l'adresse de réseau marche là, 0, 0, 0. Donc, il y a, il faut que le masque sous réseau. Quel est le routeur, quel est l'illogique, bien, l'adresse de destinataire, avec le masque, quel est le réseau, quel est le les adresses de réseau. Donc, puisque l'adresse de réseau, quel est le réseau, quel est donc le destinataire a la branche là. Qu'est-ce que le message? Mais ça va dire, je vais le masque sur le sauf la segmentation. La segmentation que je vais dire en créer le sauf. Donc, je vais dire, moi, je vais dire, l'adresse réseau. Si donc, moi, je vais l'adresse réseau. Supposons Jacques, j'ai quoi de courir. Tu le dis à 4 pas, il y aura un point. Jacques,
كابوت ولا كوليون ولكن الشريع شريع رقم شريع واحد باريكزومبل شريع واحد هنا شريع دو وكاينين ديور كاينين ديور في هذا السونس في هذا السونس هذا اللي شفت عاوتاني هنا ديور انت فوزي تيستي نيميرو دو كتقول هذاك ملي توصل لروبون بوان شد الشارع رقم واحد ورقم ديال الدار هو جوج سي لا ميم شوز لاديس كتقول ملي توصل هذا الروبون بوان ما تمشيش مع الشارع رقم جوج سي مع الشارع رقم واحد الرقم ديال الدار هو جوج صافي بحال لو قلت هاد الشارع هو لادريس ريزو ورقم ديال الدار هو لادريس اي بي مي اتونسيون من بعد غادي نزيد نحط الزنقه الشارع رقم واحد الزنقه 66 الرقم ديال الدار وغنشوف هادشي بلا سيغمونطاسيون اللي غادي نفرقو واحد الريزو بلاصة ولا كلاس ولا كلاس نزيد نفرقو دي سو ريزو وغادي نشوفو من بعد دونك دابا غادي نمشيو لادريس ديال ديفيزيون ادريس de diffusion l'adresse de diffusion se compose de 32 bits mais pour déterminer l'adresse de diffusion d'un ordinateur elle se fait de garder la partie réseau comme elle est ou la partie machine design contenue il est obligé de l'adresse de diffusion d'un ordinateur, mais qu'elle précise la partie réseau, la partie machine, et on dit aussi séparé, qu'elle dit le label WAHD, chaque bit, qu'elle dit le label WAHD. Exemple, à adresse IP de l'ordinateur, adresse de diffusion trois exemples suffisants donc chaque classe n'a qu'un seul exemple 20 60 230 ça c'est la classe A donc la partie réseau la partie machine donc il a besoin de l'adresse de diffusion 620 255 255 255 هاد 255 هنا 8 دي بيت ماشي 6 8 دي بيت 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pardon 1 2 3 4 5 6 7 8 هاد دي بيت كنديرهم الوحدات 1 1 1 1 1 1 1 1 دونك هذا اون لونغاج بينير هي 255 ديستيمال ديسيمال بينير فين جات لنا ديك 255 دونك 8 وحدات كنديرو 255 دونك لوتر اكزامبل 100 60 30 26 10 سا سي لا كلاس بي دونك سي لا à la partie réseau, à la partie machine, donc pour déterminer l'adresse de diffusion, garder la partie réseau comme il est 160-30, mais dans la partie machine, qu'elle est de l'ouahdat, elle est de l'ouahdat, elle est de l'ouahdat, elle est de l'ouahdat, elle est de l'ouahdat, 255. Pour la classe A, 2, 66, 13, 7. Ça c'est la classe A, donc le premier côté c'est l'adresse réseau, elle c'est l'adresse machine ou bien pardon ID réseau ID out donc garder la partie réseau comme il est 2 ou la partie machine de 155 255 donc voilà l'adresse de diffusion voilà vous avez la de l'adresse de diffusion qui garde la partie réseau interprétage ou la partie machine qui est 0 là je fais cela à l'adresse de diffusion l'adresse de diffusion ou qui est à un PC, bien un serveur, il a besoin de connecter simultanément à tous les ordinateurs. Il a besoin de connecter à tous les PC, mais qu'il dit que la partie de l'adresse de l'adresse de l'IP, qu'il dit à l'adresse podcast.
باش تولي بيريفيريك اللي كاين داك الريزو كيتوصلوا بداك لو ميساج. ولا باغ اكزومبل فاش كيتستعمل عاوتاني هاد لادريس ديفيزيون شفنا كيفاش كيتفرق لادريس اي بي. لا بروميي ميثود كدير لاسيس تاع لادريس اي بي كتدخل لادريس اي بي ديال الاورديناتور او بيان اوتوماتيك اوتوماتيك سي ان سي اون ا سيرفر دي اتش تي بي سوبوزو على دي اتش تي بي ملي كتجي البيست كدير اوتوماتيك ما كيعرفش اكزاكتومون او سو تروف دي اتش تي بي ايم بغيتي عارف واش باكس تو داتا لي اوتوماتيك ما عارفش فين كاين الدي اتش تي بي باش يمشي يقول له عطيني واحد لادريس اي بي. اش كيدير هو البيست كيسيت ان ميساج دو ديفيزيون كيفرق الميساج في الريزو. لا بروشين سيونس غادي نشوفو لاركتيكتور ريزو كليون سيرفور بوان تو بوان وغادي نشوفو لو بارطاج كيفاش نبارطاجيو لي دوني بين لي اورديناتور ندير ان دوسي هنا كيفاش نلقى في هذا البيسي ولا باغ اكزومبل ندير لاك يو اس بي كيفاش في هذا البيسي ونلقى هنا اكسيتيرا ولا امبريمونت نبارطاجيو لا امبريمونت. دونك ميرسي الله يعاونكم. Assalamu alaikum. Les objectifs de cette séance, c'est l'installation et la configuration d'un serveur DHCP sur Windows 2019, plus le fonctionnement. Donc l'installation, la configuration, le fonctionnement d'un serveur DHCP sur Windows 2019. Serveur DHCP. Donc, pour la distribution des adresses IP, on a dit qu'il existe deux méthodes. Soit manuellement, chaque utilisateur a le droit suffisant d'accéder à les paramètres de la carte réseau pour saisir l'adresse IP, et automatiquement si on a un serveur DHCP. Donc, le rôle des serveurs DHCP ou bien dynamique, nommé dynamique, host, configuration, protocole, c'est la distribution des adresses IP de un réseau informatique. L'adresse IP plus les autres paramètres comme le DNS, WINS, le nom de domaine, la passerelle, etc. Donc, avant de passer à l'installation, on va commencer par le fonctionnement DHCP. Le trafic, entre le client, le MPC et le serveur pour allouer l'adresse IP. Ben, je vais voir l'adresse IP qui fait que vous avez le serveur DHCP plus le client. Donc, si on a par exemple cette architecture réseau, on a ici par exemple DHCP. On a un switch et on a des périphériques réseau, des PC, PC1, PC2 et le troisième ordinateur. Pour la configuration de DHCP, quel est l'adresse du but, l'adresse de fin, le port d'adresse. Mais je vais dire différent. Par exemple, un 192.168.1.110, par exemple, jusqu'à 192.168.1.120. Ça, c'est port d'adresse. On a à l'adresse du début, l'adresse du fin, c'est-à-dire, par exemple, 110 jusqu'à 120. Plus deux autres paramètres. On va chercher à dire que je l'installation et la configuration. L'essai le fonctionnement directement l'installation et la configuration sur Windows 2019. Donc, supposons que vous êtes ici. Un ordinateur, par exemple, la configuration de type la configuration de protocole TCP/IP automatique. Dans ce cas, le PC est diffusé un message nommé DHCP Discover. Et faire part le message à l'état de l'adresse de broadcast dans le réseau
tous les ordinateurs situés sur le réseau qui te soient le message. Tous les périphériques réseau qui te soient le message, les voix de RCP Discover. Donc le premier, la première requête, c'est de RCP Discover. Et qui va vous la diffuser le PC2 avec le message qui est cherché de RCP parce qu'il y a plus l'adresse IP. Donc, le sens c'est même PC2 qui est cette requête vers l'horizon, qui est cette réseau CAM, qui est exactement au centre de RCP, qui est diffusé avec le message, le réseau, qui est cherché le DHCP. Donc, l'adresse dans cette requête, la première requête, l'adresse ou bien l'identifiant de PC2, c'est son adresse, son adresse MAC. Donc ici, c'est l'adresse MAC, c'est l'adresse physique. Elle est extra, l'adresse physique, les chinois, le système d'adresse. L'adresse MAC, c'est l'identifiant de client de PC2. Par contre, ici, c'est l'adresse broadcast. C'est l'adresse bien le destinataire à l'âge, parce que tous les périphériques, les gagnent de faire réseau, payent tout seul avec le message. Donc, on voit le client PC2, qui est dans la requête DHCP Discover, qui est diffusé avec le réseau, tous les serveurs DHCP, les gagnent de le réseau, qui est donné un message nommé DHCP A. Donc, deuxième message, ou bien deuxième requête, nommé. La deuxième, c'est DHCP off. Donc, fait DHCP off qui est proposé le serveur DHCP à l'adresse IP à le client. Bien sûr, il respecte la plage entre 110 jusqu'à 120. Il y a tellement l'adresse IP. Donc, dans cette requête, vous laissez le sens de cette requête, c'est DHCP vers le PC2. Et c'est qui est l'adresse IP. L'adresse ou bien l'identifiant de cette requête de cellule DHCP sont sans adresse IP. Parce que le poste que j'ai installé ma cellule DHCP, c'est le DHCP, mais qu'elle dit l'adresse IP automatique. Qu'elle dit l'adresse IP statique. Elle n'a qu'à faire l'adresse IP. Donc, il y a déjà une adresse IP. Jamais, il n'y a pas de poste P DHCP confier l'adresse automatique. Jamais. Donc, l'ordinateur fait qu'il y a un installé DHCP, qui installe le DHCP, qui a fait l'adresse IP statique. Donc, IP de DHCP sont identifiants. Par contre, PC2 toujours sont l'adresse MAC. Donc, il y a un case DHCP directement le PC2. Voilà, ce qu'il faut faire dans le c'est IP, IP proposé. L'adresse IP proposée. Qui est proposé bien plus le masque. Et puis plus le masque sur réseau. Donc, dans la requête DHCP, qui est proposé par l'adresse le PC2 plus le masque. Donc, on voit le PC2 qui est tout ce qu'il va DHCP offre. Un message nommé ou bien requête nommé DHCP request. Donc, nanal jusqu'à vers le DHCP, c'est la troisième requête nommée. La troisième requête, c'est DHCP request. Fin d'enquête, on a le sens de cette requête, c'est PC2, le client, vers DHCP, le serveur DHCP. Donc, l'adresse ou bien l'identifiant de cette requête de PC2, c'est AIP proposé. C'est un AIP proposé vers DHCP vers la deuxième requête. Ou l'IP, c'est son adresse IP. On va l'identifiant vers le DHCP. Donc, il y a un accusé de rien de soutre avec l'adresse IP. C'est l'accusé de réception d'IAL PC2. C'est que le DHCP va la rien de soutre avec l'adresse IP proposée. Donc, on voit que tout ce DHCP, la droite DHCP request qui est un message nommé DHCP AC.
La quatrième enquête. La quatrième, c'est DHCP AC. Donc, le sens de cette enquête, c'est le DHCP vers le PC2. Bien sûr, l'identifiant, c'est IP du DHCP, IP le PC2. Est-ce qu'il faut faire l'enquête? Tu confies les informations suivantes. Donc, elle a la IP plus le masque. Elle a été le bail, la durée du bail. Il y a le mot d'être salarié de la décision d'argent, la durée du bail. Plus le nom de domaine, si on a un domaine, le nom de domaine, il a un domaine florissant. Plus DNS, la passerelle. Donc, les paramètres avec les OK, c'est comme le Louise, etc. Donc la dernière enquête, il y a dit le DHCP qui sert le client, les autres paramètres d'origine. Par exemple, supposons on a le serveur DHCP, un DHCP 1 ou DHCP 2. On voit qu'un des la configuration automatique, la carte réseau, qui sert le PC2, DHCP Discover, qui est toujours le DHCP 1 et DHCP 2. Ben, la requête de HCP qui propose l'adresse du client, qui propose bien sûr l'adresse IP de le client. Mais le client qui est chez le premier requête, la première requête, il y a nickel qui est chez l'adresse IP proposée. Deuxième cas, supposons à tel, de la piste de maquillage de HCP, supposons un démarrage qui est un problème, ou bien déplacé, j'ai dit d'être automatique, on maquillage de HCP. Le client, ou bien le client PC2, qui a la réponse. Malheureusement, DHCP est déplacé, ou bien on part. Dans ce cas, je vais dire que je dois l'adresse, mais je suis pas oublié l'adresse. Alors, qu'est-ce que DHCP discount? Ou à deux temps, il partage la réponse DHCP offre, mais qu'il partage l'adresse IP, qui est l'adresse IP, qui est une marque du type APIPA. APIPA. APIPA, la plage. Il y a un petit peu de milliards au-dessus du Steam du 154.0.0 jusqu'à 169, du 154, du 155, du 155. Donc, on voit qu'il y a des automatiques auxquelles on maquille DHCP ou bien qu'il y a un problème au serveur DHCP, l'ordinateur qui est dans l'adresse. Il y a un système qui est là-bas pour se faire de la plage. Faire de la plage. Donc voilà, Adim Shuddabal, l'installation et la configuration de serveur DHCP sur Windows 2019. Bon, pour l'installation et la configuration de serveur DHCP, on a un réseau local, on a un serveur, système d'exploitation 2019 serve, on a Windows 7 et Windows 7. Donc le serveur plus deux clients, on a aussi bien sûr un switch. Un switch, donc on a un réseau local. Donc la première étape, l'installation et la configuration de Windows, pardon, de serveur de HCP sur Windows 2019-7. Donc voici les étapes à suivre. Donc avant de commencer l'installation, on va vérifier le nom de cet ordinateur et aussi son adresse IP. Donc pour afficher le nom de cet ordinateur, accéder au icône sur PC, bouton droit, propriété. Donc, voici le nom de cet ordinateur, c'est École. Et le système d'exploitation utilisé, c'est Windows Server 2019. Donc, pour l'adresse IP, donc, Kima Gulna. Le serveur ou bien l'ordinateur va installer un serveur DHCP, toujours l'adresse IP statique, mais c'est automatique. Donc pour accéder à l'adresse IP, ici c'est la carte réseau cliquée, paramètres réseau Internet, Ethernet et centre réseau et partage. Cliquez sur modifier les paramètres de la carte réseau, bouton droit, propriété. Double-clic sur la version TCP/IPv4.
Voilà, l'adresse IP de cet ordinateur, c'est 192.161.100, c'est la classe C. Ok, fermé. Donc, la première étape pour installer le serveur DHCP, accéder au bouton démarrer, gérer votre serveur. Dans cette boîte, cliquez sur gérer et ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant, donc notre serveur c'est école. Suivant, cocher, voilà les serveurs et les fonctionnalités disponibles. Cocher serveur DHCP. Si possible d'ajouter d'autres. Ajouter d'autres fonctionnalités si possible, sinon cliquez sur suivant et installer, cliquez sur installer. Donc démarrage de l'installation. Donc on attend de l'installation pour passer à l'étape de la configuration pour créer la plage d'adresse à distribuer, l'adresse de départ et l'adresse de fin et d'autres paramètres réseau. Donc, en attendant l'installation de notre serveur DHCP. Donc, l'installation réussie sur école, post-école, fermée. Cliquez sur DHCP. Ici, notre école où se trouve, le poste où se trouve DHCP. Bouton droit, gestionnaire de DHCP. Cliquez sur le nom de l'ordinateur, c'est école. Cliquez sur IPv4. Donc les paramètres, on a étendu, c'est possible de créer un autre étendu. On peut créer, par exemple, supprimer cette étendue, c'est possible de supprimer cette étendue. Ou on peut créer une nouvelle étendue, c'est possible de créer une nouvelle étendue. Ou on peut supprimer, oui. Donc, bouton droit, nouvelle étendue, suivant, le nom par exemple, personnalisé, la description, par exemple, la classe, les adresses de classe, c'est, suivant, la plage, entrer la plage. C'est-à-dire les adresses les radis qui font menage donc dans notre cas c'est 192.168.1.110 l'autre 111 112 etc jusqu'à 120. Donc ici c'est le masque sur réseau, c'est le masque dial la classe C. هذا 24 هي 24 واحد لونغاج بينير 8 ديال الوحدات 8 ديال الوحدات 8 ديال الوحدات هي 24 الى بدلت انا كيتبدل. Donc voici donc la classe la configuration du serveur suivant configurer la boîte de dialogue. Donc on a ajouté exclusion. Il a pris حيد واحد لا بلاج. On a le premier son on l'a par exemple je vois après c'est à la configuration 110 jusqu'à 120 غادي نقول له سيدي لا بقى تنقص par exemple 192.168.1.118. Donc, Radim fera la stratégie pour créer 110, 11, 12, 13, Radim, Radim, je dis 119 pour le filtrer. Ajouter, par il a pris ici, on a tiré des suivants. Éliminer certains ordinateurs. On a la durée de bail. Il y a par exemple l'adresse IP. Un PC a l'adresse IP. Donc, si on joue bail, donc c'est mieux qu'on a le bail. Au 4 heures, la durée sera à ajouter. Donc 4 heures, l'adresse MAC ajoutée. Suivant, c'est spécifique. Donc on a d'autres paramètres, DNS, WINS, domaine, etc. L'adresse, il a qu'un paramètre. Donc dans ce TP, on va t'appeler simplement l'adresse IP, la création des adresses IP ou le masque. Donc on a supposé qu'un suivant. Donc on a qu'un la passerelle. Donc mazal a dit la passerelle, la segmentation de réseau. Donc pour les deuxièmes années,
DLTS réseau, donc déjà la passerelle, déjà la segmentation, donc arrête la passerelle. Donc 192.168.1.1, ajouter, suivant. On a le DNS, domaine. Par exemple, notre domaine, c'est par exemple etti.ma. Le nom, c'est école, où se trouve de ETT, c'est se trouve dans école, post-école, point ETTI, domaine, point MA, sans adresse IP, donc dès le délai de l'ordinateur, parce que c'est possible, je vais à plusieurs serveurs, le même ordinateur, sans ajouter. Donc ما كاينش وين نديرو غير خليه باسكو راه ما عندناش الدومين مازال ما صليناش دونك مازال ما صليناش الدومين سويفون وينز الى عندنا الوينز غنديرو هنا لو نون ديال البوست فاش كاين الوينز ولادريس اي بي ما كاينش غندير سويفون وي اكتيفي سات ايتوندو تيرميني دونك على ايتوندو ديال لا اكтуаليزي كندير لا اكтуаليزي actualiser. Donc voici la configuration du serveur pour configurer la boîte de dialogue, pour configurer notre serveur DHCP. On a le premier, c'est option du serveur, et Chiradin Chevaux. Après, c'était la configuration avancée, c'est deuxième vidéo. La stratégie pour créer une stratégie pour gérer votre serveur et les filtres nécessaires pour le filtrer, par exemple pour éliminer certains ordinateurs. Donc il a par exemple abrité chez un PC et l'adresse IP, il suffit de gérer exclusion, nouvelle filtre, au cas de l'adresse MAC à ajouter. L'adresse MAC ajoutée, c'est spécifier l'adresse MAC de client qui ne recevra pas les services DHCP. Mais l'adresse n'est les autres paramètres de serveur. Donc dans ce TP, c'est la création, l'étendue. Donc, je suis devant de chauffer les ordinateurs. Moi, je vraiment, je dois l'adresse IP. Donc, pour vérifier la distribution des adresses IP, on a sur le poste, poste 1. Je suis devant de la configuration de l'adresse IP sur poste 1, automatique. Je suis vraiment, je dois de les paramètres réseau, l'adresse IP et les DNS et les autres paramètres réseau. Donc, soit quand je suis l'icône réseau, ou là quand je suis directement la barre des tâches. La barre des tâches, quand je clique à la carte réseau, ouvrir le centre réseau et le partage, quand je clique sur modifier les paramètres de la carte. Voici la carte réseau de poste 1, bouton droit, propriété. Sélectionne le protocole Internet IPv4, double-clic. Donc, l'adresse IP est statique, on a deux débats automatiques. نشوف واش غادي يمشي يشد لادريس اي بي عندك الدي اتش سي بي دونك كوشي اوكي اوكي دونك غادي سي ليدونتيفيكاسيون دونك راه هنا كيوقع له ترافيك ريزو داك لي روكيت دونك فيرمي بور فيريفي لادريس اي بي دو سات اورديناتور نشوفو لادريس اي بي باسكو الا جينا هنا ما كيبانش دابا لادريس اي بي ما كيبانش دابا لادريس اي بي هنا il est grisé parce que dans l'automatique donc fin radin le qawl adresse IP kan mchi wala l'invite de commande démarrer ici cmd pour accéder à l'invite de commande donc dans l'invite de commande tapez epi config entrée. Donc voici l'adresse IP de cet ordinateur IPv4 1991 donc ara bada kayfarq DHCP parce que badi men 110 hatta 120 donc la passerelle est wad شكون اللي عطى l'adresse IP ETT.ma c'est le domaine باش نعرفوا شكون اللي عطى l'adresse IP plus la durée de bail غادي نطابيو la commande ipconfig/all les autres paramètres donc IPv4 les wada le masque, le bail obtenu, il faut racheter le bail vendredi 15 mai, il faut racheter le bail expire,
فوقاش غادي يموت هذا لو باج سي لو ميم جور لو 15 ماي دونك هنا باسكو درنا 4 اور 4 سوايع في الصلاحيه ديال لو باي غادي نرجعوا لهاد الصلاحيه ديال لو باي هذا 4 سوايع دونك تفوت هاد 4 سوايع وصل هنا غادي يليبيري داك لادريس الا ما تجدليش لادريس اي بي بيان سور دونك لا باسريل هو هذا اللي درنا سيرفر دي اتش سي بي شكون اللي عطى فورنا هاد لادريس اي بي لهذا البوست 1 سي هاد دي اتش سي بي 192.1.100 داك البوست ايكول دونك نوتر دومين هو http.com دونك هنا هو الدومين http.com دونك غنمشيو دابا للبوست البوست 2 دونك هذا شد 110 خص البوست 2 يشد بيان سور 111 دونك فيرمي دونك بور فيريفيي لادريس اي بي سور بوست 2 كنمشي للريزو نشوفو انا ردو اوتوماتيك ندير لا كونفيغوراسيون دو تي سي بي بي اوتوماتيك بروبريتي modifier les paramètres de la carte. Voici la carte réseau, bouton droit, propriété, TCPP. Donc la classe B. Donc alors je vais d'abord automatique. Ben, j'ai demandé l'adresse IP, cherche DHCP, ben, j'ai atteint l'adresse IP. Ok, ok. Donc voici, regarde le trafic réseau. N'est-ce qu'il y a d'abord le trafic de DHCP Discover or, etc. Voilà. Donc d'abord je vais vérifier si je vraiment chez l'adresse IP ou bien chez APIPA. Donc les étapes c'est les mêmes. Quand je vais le démarrer, lance l'invite de commande, aller de la CMD, appuie sur entrée. Voilà l'invite de commande. Donc la commande c'est epi config slash all entrée. Donc voici la configuration de TCP/IP de poste 2. L'adresse IP 1.9.9.1.111 donc pour poste 1 70 c'est 111 le masque la durée de bail le bail faut cacher le bail le vendredi le 15 mai mais al khamsa orba trek faut cacher à 10 mois donc toujours 4 heures qu'elles étaient 4 heures mais le même jour mais sud orba trek la passerelle ou attend la passerelle. شكون اللي عطى لادريس اي بي سي تادير لادريس اي بي دو سيرفر دي اتش سي بي دونك سيرفر دي اتش سي بي هو 192.1.100 وهذاك البوست ايكول دونك لو دي ان اس دومين سيفيكس دي ان اس او تي تي بوما هذاك اللي درنا لو كان درنا دوطخ بارامتر غادي تافيشي اوتوماتيكمون دونك غادي نمشي دابا نرجع للدي اتش سي بي نشوف شكون اللي شد لي زادريس اي بي دونك من دي اتش سي بي كاين فيريفي دوك لي زادريس les adresses IP, elle poste les chaînes de l'adresse IP, elle est de l'adresse IP. Donc on a déjà d'abord le DHCP, vérifier. Donc pour la vérification, quand je suis démarré, outil d'administration, DHCP, école, IPv4, donc l'étendue, il y a de l'écrit, étendue personnelle, cliquez deux fois, bout d'adresse. Donc 110, je connais chez ces postes 1. Point OTT, point, parce que c'est notre domaine. C'est le nom des ordinateurs de domaine. Poste 2, 1911, chez 211. Nous rejoignons la réservation. Donc à la réservation, il a pris une réserve pour l'adresse IP, l'un ordinateur. دونك مازال غنمشي نشرح لكم هادشي في الطابلو الا بغينا ريزيرفي سي تادي داك لادريس ما يشدوش غير واحد البوست واخا ما مديماريش حتى يديمار عاد يشد داك لادريس اي بي كندير بوطون دو نوفيل ريزيرفاسيون دونك هنا لو نون دو ريزيرفاسيون كنطابي واحد لو نون دونك هذا راه ديال بار اكزومبل ديال السيرفور سيرفور ويب سات ادريس ريزيرفي بور بار اكزومبل سيرفور ويب هل يقدر نعطيني بار اكزومبل 100 113 وهنا كنعطي لادريس ماك خصني نعطي لادريس ماك ديال داك البي سي دونك تنقول ملي توصل لو سيرفور بلادريس ماك سويفون كنجيب لادريس ماك ديال داك لو بوست سيرفور ويب اعطي هاد لادريس اي بي دونك لو سيرفور اش كيدير دي اتش سي بي كيفرق 110 جا شي واحد عاوتاني تيعطي 111 12 13 ما غاديش يعطيها باسكو لي ريزيرفي لا لورديناتور من بعد كندير اجوتي دونك هنا لادريس ماك وكندير اجوتي
L'adresse MAC, on a c'est l'adresse physique du chiffre en langage hexadécimal. Les mazales du chiffre en fait l'adresse MAC et rejette le système d'adressage. Donc, je vais vous tableau, je vais vous la réservation avec la durée de bail. Donc, tu vas faire la configuration, c'est possible de réserver l'adresse IP à l'ordinateur. Je vais faire aussi la durée de bail. Salarié de l'adresse IP. Donc, on a un serveur, un switch et deux PC. La configuration de notre serveur DHCP n'a pas d'adresse 792.168.1.110. Jusqu'à 168.1.120. Donc, c'est possible de réserver une adresse IP dans sa plage à un ordinateur. Supposons réserver par exemple l'adresse 192.168.1.213. Vers l'ordinateur, il y a PC4. Donc, regardez ici, démarrer par exemple le PC1, regardez 110, PC2, regardez 111, notre PC ou bien notre périphérique 112, mais 113, ça se pose, mais ça ne marche pas. Donc, il y a un autre périphérique, regardez, j'ai appris 113, regardez, il y a un autre IP suivant. Supposons ce 120, à 120, regardez, ça ne marche pas, j'ai appris ce PC3, les réservés, par exemple, 113. J'ai un périphérique qui a demandé l'adresse IP. DHCP, on se met à acheter. Dans ce cas, ma KATH, même si elle a gagné une meilleure tâche, mais ça m'a fait proche. Ma KATH, avec le périphérique, j'ai l'adresse IP. Donc, t'es tard avec le périphérique, je n'appuie pas. T'es dit, ma réelle de PC2, a gagné une meilleure tâche. Au chemin de la réservation, il est basé sur l'adresse MAC. L'adresse MAC, l'adresse physique de l'ordinateur de la carte réseau. Parce que c'est l'identifiant de le client fait DHCP Discover. Mais qui a demandé l'adresse IP qui diffuse le message sur les réseaux, son adresse ou bien son identifiant, c'est son adresse, l'adresse MAC. Donc je traite la durée de bail. Le bail, la durée de bail, dans notre cas, je traite de 24 heures. 4 heures, c'est la durée de bail dans notre TP. Donc, on voit, tels sont des adresses IP, par exemple, des IPC, je peux l'adresse IP. Oh, attends, salarié, c'est 4 heures. On voit qu'à dépasser 50% la durée de bail, 50% la durée de bail dans notre cas, c'est 2 heures. Mais qu'il faut que c'est un TP, je l'ai dit. IPC, qui est le DHCP. Parce que l'adresse de l'eau, l'adresse IP. Qui lui met la mise à jour, qui demande la mise à jour des paramètres réseau. Donc, la réponse, qui fait ça, l'adresse IP, l'étape de l'eau, peut-être que ce soit bien la durée de bail. Ce soit bien il y a tout de suite, 3 heures. Mais les 4 fois 3 heures, qui est le PC DHCP, qui demande la. La mise à jour des paramètres réseau. Il a toujours la réponse qui est initialisée avec les adresses. Sinon, qu'est-ce que tu as l'adresse IP, tu as l'adresse IP, tu as l'adresse IP, parce qu'il a comme ça. Il y a toute soirée 11. Il y a une fois 3 heures et 30 minutes qui est dirigée vers le DHCP, l'adresse IP. Il faut aller l'adresse IP qui est demandé la mise à jour des paramètres réseau. Et là, la réponse à quoi c'est le mien donc, t'es aussi bien le mien en froid, t'es aussi bien le mien la durée de bail, qui a éliminé l'adresse IP. Ok, a obtenu qu'il y a un trafic à zéro, c'est-à-dire qu'il diffuse le message de HCP du score, Floris ou Gam qui est le la DHCP. Mais, supposons, à ta l'adresse IP. FPC1, c'est l'adresse IP par exemple à 12. Pourquoi je vais essayer l'adresse IP 4 heures? T'as l'arbre. T'as l'arbre, t'as dit, il m'a dit l'adresse IP.
ملي كتوصل ساعتين كتفوت ديباسي بزاف سيتادير 50% ولا دومي دو باي سيتادير ملي كتوصل جوج اش كيدير كيمشي لدي اش سي بي الى عطاه لا ميساج راه غيولي عاوتاني من جوج غادي يولي عاوتاني من جوج حتى ستة عادي من تادير سي بي دونك دير سي بي عاوتاني الى توصل لا ميساج سيتادير من جوج كيسيتي 4 سوايع الى بقات بيان سو لا دومي دو باي دي اش سي بي 4 سوايع 4 Donc l'essentiel, le renouvellement de bail, il y a des cas qui sont 6%, mais la durée de bail, le client, le PC qui est chez le DHCP, il est la mise à jour. Il a la mise à jour, mais il est certain qu'il existe la durée de bail, je dis. Il a maintenant la mise à jour, qui est chez le 5%. 75% qui est chez le DHCP, qui est demandé là. Le renouvellement de bail, il a tous la réponse qui est dit que ça a été les paramètres de ça. Sinon, on voit qu'il y a un bien filmé qui est libéré de l'adresse IP, mais qui est servi, qui a un trafic à zéro. Donc, tout le monde a le serveur de HCP, mais Inch'Allah, on a des choses sur Linux. Donc la prochaine vidéo va déjà votre domaine. DNS est le domaine du jour sous Windows 2019 Server. Donc si vous avez des questions pour les deuxièmes années de l'école technique de topographie d'informatique, essayez d'utiliser le groupe WhatsApp pour poser vos questions. Pour les autres, utilisez la chaîne OTTV TV pour poser vos questions. Donc à votre disposition, à la prochaine source, Inch'Allah. Merci.